À l'occasion de la Journée de la Femme, de nombreuses animations sont prévues à Vitry. L'association L'École de la Rue l'a célébrée en organisant un tournoi de basket féminin au gymnase Paul-Éluard. Et les garçons étaient là pour admirer le Ladies Game. Bah, organiser un tournoi juste pour les filles, c'est plus sympa parce qu'il n'y a pas les garçons et il n'y a personne pour nous prendre le ballon et tout ça. C'est beaucoup plus sympa, moi je préfère. Tournoi, je trouve que ça change. C'est un tournoi exclusivement féminin et ouvert à tous les âges. Et ça, du coup, ça fait que ça se passe dans une bonne entente, avec des petits comme des grands. Et on a les grands apprennent aux petits. Et je trouve ça bien. L'association École de la Rue, elle a été créée pour aider les jeunes à s'investir, on va dire, dans tout ce qui est urbain. On a créé le tournoi pour promouvoir la Journée de la Femme. Donc on en a profité aussi pour mettre la femme en avant et justement essayer de prendre, on va dire, la même place que l'homme. Même si on sait qu'il y a égalité, mais on le voit que c'est difficile, quoi. Et l'ambiance était à la fête avec de nombreuses démonstrations proposées par les jeunes de l'association. Cette journée, elle a été très très bien pour moi, c'était une journée très très sportive. Ce tournoi c'était magnifique, j'ai bien aimé, je me suis amusée avec mes copines. J'ai déjà participé à beaucoup de tournois et c'est le seul tournoi que j'ai fait où c'était réservé vraiment aux filles. Et je trouve qu'on évolue et je trouve ça bien, il n'y a pas de garçons et toutes les filles sont à l'honneur. Voilà.